Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors je poursuis, je vous lis encore quelques extraits, assez nombreux, somme toute, de Déposition, Léon Werth, publié chez Viviane Amy en 1992. Mais avant, je me posais une question toute bête et toute simple, et à laquelle question ma armée a répondu depuis longtemps. De quoi est faite la poésie? C'est simple, la poésie est faite avec des mots. C'est entendu, la remarque n'est même pas digne d'intérêt. Mais qu'est-ce qui arrive? Que se passe-t-il quand les mots eux-mêmes, à l'instar des animaux, à l'instar des végétaux, à l'instar de tout ce qui existe dans le règne animal, végétal. Qu'arrive-t-il quand les mots eux-mêmes disparaissent? Est-ce que la poésie devient alors un effort de les mettre dans un enclos, de les mettre dans une aire protégée, de les conserver pâlots, faiblissants, agonisant même. Est-ce que soudainement la poésie n'est plus qu'une opération de sauvetage? Sa dernière action, en fait, sa dernière geste, hein? Selon les grands contes moyenâgeux. Et peut-être que c'est ça, le dernier éclat de la poésie. C'est le dernier coup d'éclat de la poésie. C'est de rassembler autour d'elle tous ces mots en train de disparaître, tous ces mots qui sont remplacés par le langage administratif, le langage bureaucratique, le langage jargonneux, le langage aussi lénifiant, le langage pontifiant, le langage des grands sentiments, le langage des grandes causes, le langage aliénant. Toutes ces réflexions-là, je me les fais tout au long du jour, pendant que j'œuvre dans ma librairie. Et bon, hier, j'ai évoqué le fait que j'étais pour vous parler dans les prochains jours de Chris Marker et de Claude Defly. Mais je vais aussi sans doute vous parler de Robert Marteau. Alors, je vais essayer de faire un lien parce que c'est comment pas juste vivre et penser dans un temps pandémique. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que cette crise-là n'aura pas de fin, personnellement. Je pense qu'elle est systémique et l'analogie qui me vient, c'est celle de l'alcoolique. Voyez, on a un mode de vie qui est extrêmement dangereux pour la santé globale, un mode de vie, un mode de production, un mode d'existence qui est excitant, qui est enivrant. Et nous ne savons plus être sobres, en fait. Et il nous faut de plus en plus des doses massives d'excitants. Et ce que disent les AA, les alcooliques anonymes, c'est qu'on peut mourir avant d'avoir touché le fond. Et je pense que nous en sommes là. Nous sommes rendus, notre civilisation est rendue à un niveau à la fois de complexité, à la fois de simplicité aussi, dans sa manière de penser, dans sa manière de réfléchir. Mais les défis qui sont devant nous sont tellement énormes, sont tellement effrayants, et qu'en même temps, nous sommes tétanisés par cela. Et nous avons envie que ça continue. Nous n'avons pas envie de changer. Et beaucoup disent que, bon, cette crise-là, pandémique, elle est exagérée, les médias en font beaucoup. Ben écoutez, moi, mon sentiment, c'est le contraire. J'ai l'impression que oui, on nous dissimule un certain nombre de choses, mais je pense que la situation
est en réalité peut-être beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Et que cette crise sanitaire nous cache, et l'angle mort de non seulement de d'autres crises à venir, mais que nous allons au terme, si jamais on réussit à s'en sortir un peu, on va tout faire, selon moi en tout cas, pour ne pas prendre la mesure de toutes les autres crises qui sont en train de couver et qui vont finir par éclater. La crise environnementale, par exemple. Donc moi, j'étais au fait dès mon adolescence, il y a 50 ans, il y a 45 ans, je prenais au sérieux les avertissements du Club de Rome. Je prenais au sérieux les livres qui s'écrivaient sur le sujet, que ce soit Gregory Bateson, Ivan Illich, Gunther Anders, qui n'était pas connu à ce moment-là, mais il y avait beaucoup de penseurs, d'écrivains, de philosophes qui nous mettaient en garde contre notre mode de vie, des scientifiques, il va sans dire. Et tout se déroule exactement comme prévu. Ce qui n'avait pas été prévu, cependant, c'est les innovations technologiques. Ça n'avait pas été prévu. Comment on serait tous reliés les uns aux autres, comme nous le sommes. C'était pas prévu. Mais encore là, les miracles, les merveilles de la technologie nous aveuglent, je pense. Et font de telle sorte que les menaces, eh bien, on ne les voit pas. Ou on les sous-estime. On les sous-estime beaucoup. Ou encore, technolâtres que nous sommes, sommes convaincus que tous nos problèmes vont se résoudre par des solutions technologiques. Il y a une sorte de pensée magique là-dedans, une sorte de régression même, presque au niveau du primitif. On va trouver dans les objets les réponses. Alors bon, voilà, ce sont pas là de pensées très joyeuses, mais je me dois de vous dire ce que je pense. Possible que je me trompe, tant mieux. Mais comme je pense ce que je pense, comment je dois m'organiser et comment je nous invite à nous organiser dans un monde de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, et où la majorité de nos concitoyens ne voudront absolument pas le changement. On le vit, là, on le subit, il est massif, il est majeur, il est dans pratiquement tous les domaines de notre vie. C'est au sens propre, ou je veux dire au sens figuré, c'est un moment de révélation. Un moment de révélation avec notre travail, nos relations intimes. Tout nous est révélé soudainement. Et on voit autour de nous des gens qui sont de plus en plus attristés, contrits, chagrinés, dévastés, impuissants, des gens qui perdent pied. On bascule dans un autre monde. Littéralement, c'est un point de basculement. Alors, ceux qui m'ont, les quelques-uns qui ont écouté mes vidéos depuis plus d'un mois, il y a comme une sorte de fil conducteur, au fond. Littérature obsidionale, le siège, d'occupation, de résistance, d'exil, de résistance aussi intellectuelle par la figure antimoderne du juif hassidique en particulier. Alors, il y a quelque chose là de... Mais là, je cherche les points de fuite. Et c'est pour ça que Chris Marker apparaît tout à coup. C'est pour ça que Robert Marteau et Claude Effly vont commencer à... Je vais vous montrer plusieurs livres de la bibliothèque de Claude Effly ayant été très, très fasciné, très, très tôt par ce personnage. J'ai lu, il y a très, très, très longtemps, son recueil À la pointe du vent, par exemple, que j'avais beaucoup aimé. Je vous ai dit que je vais vous montrer dans les prochains jours le manuscrit de ses mémoires écrits à la main, des mémoires écrits à la main. C'est assez... qui rejoint au fond, d'une certaine manière, la démarche de Jérôme Peignot, qui lui nous dit que c'est important d'écrire à la main aussi, d'avoir des belles lettres rondes, là, bien joufflues, des lettres
pleine de sève, pleine de vie, vibrante. Il nous dit ça, Jérôme Peignot, de se fabriquer soi-même ses propres caractères, hein, ses propres caractères de typographie, j'avais envie de dire de typographie presque biologique, hein, le corps écrit, le corps trace sur le papier des signes. Le corps exulte d'une certaine manière. Alors, oui, il y a un fil conducteur dans tout ça. Mais il faut trouver une manière de vivre avec ça. Il ne faut pas se réfugier. Il faut trouver des nouvelles manières d'exister, des nouvelles manières d'exister intellectuellement aussi. Souvent, je vous fais l'apologie, au fond, c'est ça, de la lecture. J'invite les lecteurs, au fond, à persister dans leur conatus, comme dit Spinoza, à persister dans leur être propre. Je pense que on a un besoin incroyable de lecteurs qui fouillent dans les bibliothèques, qui prennent le temps de méditer certains textes, qui prennent la littérature et la philo et la poésie, qui prennent cela très, très, très au sérieux. Non pas un simple divertissement, non pas une manière de passer le temps, ou non, non, quelque chose là, qu'on travaille cette chose-là et qu'on se garde vivant, qu'on se dise, au terme de cette mutation, hein, parce que non plus on parle de variant, mais c'est pas le bon mot. En fait, il faudrait parler de virus mutant. Mais variant, parce que on entend aussi variation sur un même thème. Hein? Le thème étant le virus et toute cette petite transformation ethnique, hein? Le brésilien, le britannique. Bon, vous savez, j'attends le québécois avec je ne le dis pas avec appréhension, mais j'attends le québécois. Est-ce que le québécois va s'inviter dans le concert des virus, hein, à l'époque, on parlait de concert des nations. Hein, voyez, on reste dans la symphonie. On reste dans la musique. Mais c'est virus mutant, il faut dire. Mais mutant, oh là, ça fait peur. Variant, c'est... Hein, c'est de la variété, au fond. Voilà. C'est un virus qui nous offre de la variété. On aime ça, la variété? Eh bien, ça se poursuit. Alors, je vous lis quelques passages. Je vais continuer demain. On rapporte, ah oui, le 30 novembre, il faut que je vous donne la date, le 30 novembre 1940. On rapporte de la zone interdite que les troupes allemandes sont démoralisées. Il y a même des bagarres entre les jeunes et les vieux. Les jeunes, hitlérisés, et les vieux, repris des vieux doutes du civilisé. C'est par là peut-être que l'Allemagne craquera. Hitler fusillera, torturera, mais on ne sait quoi venu du fond de l'homme anéantira Hitler. Je me souviens que le professeur Pogliani, qui enseignait la chimie physique à l'université... Ah oui, le 3 décembre 1940. Je me souviens que le professeur Pogliani, qui enseignait la chimie physique à l'université de Berlin, me disait en 1932... Les autorités nous invitent, pour ne pas dire plus, à multiplier les recherches pratiques au détriment des recherches spéculatives. Je ne sais s'il voyait là un signe du nazisme montant, mais assurément un signe de la déchéance allemande en ces mois où l'Allemagne, me disait-il, oscillait du nazisme au communisme. On l'entend, hein? vous rendez compte? L'abandon de la recherche formelle au profit du pratico-pratique, on entend cela sans arrêt de la part des scientifiques qui œuvrent dans des domaines théoriques, hein? Avec des applications pratiques, peut-être improbables. Mais le spéculatif ici, la pensée scientifique, la méthode spéculative, scientifique, encore aujourd'hui, en fait,
C'est même là, peut-être, ça a commencé, cette méfiance-là. Cette espèce d'incompréhension. C'est curieux comme, hein, c'est 81 ans plus tard, on est très exactement au même point. Un écrivain, un vrai, avait pendant l'autre guerre écrit des notes terribles sur les mensonges de l'héroïsme par contrainte. Empruntant la forme de la parabole évangélique, il montrait Jésus faisant des miracles. Jésus passait, et celui-ci était paralysé de la jambe gauche, et celui-là paralysé du bras droit, et ainsi ils étaient délivrés de la guerre. J'admirais son courage et lui demandais quand son livre paraîtrait. Jamais, me répondit-il. Mes lecteurs n'ont point à savoir ce que je pense de la guerre. Je n'ai nulle envie de me colleter avec mon époque. Je veux, s'il me plaît, être académicien, sénateur, ou mieux, pair de France. Pair de France est un titre que j'eusse aimé. Je ne me bats point contre la guerre, mais je ne lui donne rien. La littérature n'est pas du tout ce que vous croyez. Je veux plaire. Avez-vous oublié que les vieux auteurs voulaient plaire? Je ne cède point aux puissances comme vous croyez. Je me gare. Ma tradition est celle du libertin. Je goûte au fond de moi-même la joie de nier avec sérénité ce que la foule adore. On est là présentement, on est toujours en décembre 80, le 24 décembre. J'attends Suzanne. Je me fous de la guerre. Je me fous de la civilisation. J'attends. Des millions d'hommes sont ainsi, tantôt s'éloignent et tantôt s'approchent du cours de l'histoire. J'aurais dû intercaler entre les pages des petits signets. Mais bon, dans ma hâte de vous lire ces passages-là, je vais vous en lire un peu plus long. Il est un peu plus long, celui-ci. 13 janvier 1941. Sur la difficulté d'interpréter les textes, sur la précision du langage et l'art de lire entre les lignes. Je lis dans Le Progrès du 13 janvier. Les membres du Conseil de l'Ordre des médecins du département de l'Ain ont adopté l'ordre du jour suivant. Le Conseil de l'Ordre adresse à Monsieur le Maréchal Pétain l'hommage de sa gratitude et de sa confiance. Il l'assure de son concours le plus dévoué à l'œuvre de restauration fondée sur la notion traditionnelle de valeur, se substituant au culte de l'irresponsabilité et à la souveraineté du nombre, et par conséquent sur la reconstitution des élites dont le rôle éminent est de se serrer autour du chef de l'État pour l'aider à promouvoir la dignité et les libertés de la personne humaine. Je n'avais point donné grande attention à ce texte mou. J'avais seulement remarqué que les médecins de l'Ain n'hésitaient pas à se tenir pour une élite. Mais j'ai su par le docteur D qu'ils prétendaient marquer un coup d'arrêt, témoigner à la fois de leur loyalisme, dis-je, et indiquer qu'ils n'étaient pas des totalitaires, qu'ils ne voulaient pas que personne, fût-ce le maréchal, toucha à la dignité et aux libertés de la personne humaine. Mais pourquoi n'ont-ils pas parlé un langage moins mou? Parce qu'ils n'en connaissaient point d'autre? Parce que leur tranquillité eût été menacée? Étrange époque où le mot de personne humaine sert à la fois au maréchal totalitaire et à ceux qui prétendent réprouver les régimes totalitaires. Étrange époque où le Conseil de l'Ordre des médecins est contraint de paraître totalitaire pour dire qu'il ne l'est pas et pour exprimer une réserve,
de paraître approuvé sans réserve. Telle est la liberté sous la dictature. Tout peut être dit à condition que personne ne comprenne, pas même celui auquel on s'adresse. 80 ans, ce texte. Ici, je vous lis un tout petit passage que son ami, Victor Serge, hein, lui adressa le 20 janvier 1941. « Impossible, m'écrit-il, de vous dire en deux mots toutes les raisons d'espérer fermement qui m'apparaissent. Ce vieux monde délabré est entré malgré lui dans un cycle de catastrophes pleines de promesses et de promesses à échéance nullement trop longues. Impossible que tout cela, d'à présent, dure bien longtemps. La vie va rebondir dans quelques années comme une balle bien lancée. D'ici là, évidemment, tout le problème sera de survivre, et je ne dissimule pas que c'est un problème ardu, je m'en rends compte tous les jours. Quel que doive être le rajeunissement de l'Europe, il ne se fera sentir, après ces crises noires, dont nous ne voyons encore que le commencement, que dans quelques années. » Et là, Léon Werth commente, « Qu'il est courageux et que je suis lâche, qu'il est dans le grand sens du mot, révolutionnaire. Le gros des hommes s'agite. Chacun veut trouver un petit port où mettre sa barque à l'abri. Mais lui, quel bon et quelle foi dans l'avenir! Le vieux monde est délabré, c'est vrai. Mais où Serge prend-il la certitude que la vie rebondira? Sans doute le monde n'est pas arrivé à sa période de refroidissement total. Et nous savons bien que pour peu qu'on ait la puissance d'attendre un siècle, ou deux, ou trois, les hommes auront retrouvé une civilisation, et peut-être même de quoi se créer du bonheur. » J'ai bien souvent... Ah oui, la date, toujours janvier. Attendez, je vais vous dire ça. 25 janvier 1941. Si l'autre monde existe, il doit y avoir un service d'ordre. Ce sont là de bien grossières pensées. Et votre sensibilité spiritualiste doit me mépriser ou me prendre en pitié. Prenez garde. J'ai bien souvent remarqué que l'évasion dans les hauts espaces de l'esprit permettait d'étranges licences et lâchetés dans le monde de la matière. Il n'y a point d'irréparable pour qui croit à l'au-delà, au lieu que nous, qui n'avons pas l'éternité pour acheter nos fautes, nous respectons le périssable, nous le tenons pour sacré, et il faut que chaque instant nous aide à gagner notre dignité. Nous ne voulons pas que la mort nous surprenne en négligé. Nous n'avons pas l'espoir de réparer le désordre de notre toilette. J'en ai encore trois autres, et puis on se quitte pour ce soir. Une journée sans journal, c'est presque une journée sans guerre. Oubliez les borborygmes de l'histoire et poursuivez un ou deux chefs-d'œuvre d'amour ou d'amitié. L'immobilité des feuillages, le soir.
On s'évaderait volontiers dans la religion, mais ce n'est pas sérieux. Et les événements me demandent, le gendarme sait que lui répondent. Je n'en sais pas plus que lui sur la puissance industrielle des États-Unis. Mais il se penche vers moi et me dit, j'ai bon espoir. On ne peut pas tout à fait désespérer si les gendarmes ne croient plus au maréchal. Vingt mai 1941. Je lis les romans de Miss Braddon. C'est un opium parfaitement acceptable. Les œuvres du grand art n'ont qu'exceptionnellement cette magie de l'opium. Elles lancent des traits dans nos profondeurs. Il faut répondre. La lecture d'un grand livre est un dialogue. On n'y trouve pas l'oubli. Mon opium est donc ce pudding confectionné par une miss. J'ai passé 2 journées à lire Miss Braddon à la façon dont lisent les adolescents. Qu'il y a de belles jeunes filles dans les parcs et dans les taudis, comme j'ai envie de croire à la Providence. Je lis et je suis comme en rêve les plus nobles âmes et les plus criminelles. Mais à cette rêverie née de la lecture, une autre s'ajoute, indépendante, sans rapport avec elle, sur un autre plan, sur un autre registre, une rêverie personnelle faite de souvenirs ou de projections dans l'avenir. Le livre, c'est un théâtre. En même temps que je suis attentif aux épisodes et péripéties de la pièce, je rêve pour mon compte personnel. Ce ne sont que 2 rêves parallèles, mais en s'y exerçant, on pourrait peut-être rêver sur 10 plans, sur 10 registres différents, sur 20, sur 100, à l'infini, et conduire ensemble ses rêves comme on conduit un troupeau. Le Candide Lénine, le 21 mai, le Candide Lénine, qui croyait que partout en Europe s'allumeraient les foyers de la Révolution. Qu'en reste-t-il pour l'instant de la Révolution telle que Lénine et Trotsky l'entendaient? Quelques mots dans les mandements de Hitler, de Franco et de Pétain. Le 3 juillet 1941. Chez un commerçant du bourg. Que dit la radio? On ne prend plus la radio. Ça nous ennuie. 100 000 cadavres allemands ne sont pour moi qu'une nécessité historique. Un seul cadavre russe, c'est le cadavre d'un pauvre moudjik. Moon, le 8 juillet. Moon, 17 ans, et Poulette, 14 ans, arrivent de Paris. Elles ont passé en fraude, Buxy ou Roux, ont fait 30 kilomètres à pied. Adolescence et robe légère, elles sortent du train comme 2 oiseaux des îles s'envolent d'une cage noire. À les entendre, on comprend que Paris n'est point en sommeil, autant que la zone non occupée. 2 jeunes filles parlent, et je vois dans les steppes des milliers de cadavres allemands, de beaux cadavres historiques, de beaux cadavres de tableaux d'histoire. Le monde est délivré. 2 jeunes filles venues de Paris viennent témoigner de sa délivrance. Le 9 juillet. Je vais à Londres pour y déclarer qu'au terme de la loi du 2 juin 1941, je suis juif. Je me sens humilié. C'est la première fois que la société m'humilie.
Je me sens humilié non pas d'être juif, mais d'être présumé, étant juif, d'une qualité inférieure. C'est absurde, c'est peut-être un défaut d'orgueil, mais c'est ainsi. Ainsi, ils prétendent m'imposer une autre patrie, un autre groupe. Quelle lâcheté serait de délibérer sur le point de savoir si je me sens ou je ne me sens pas juif. Si vous insultez en moi le nom de juif, je suis juif, éperdument juif, juif jusqu'à la racine des cheveux, juif jusqu'aux tripes. Après, on verra. » 25 juillet. Les joueurs de flûte de l'hitlérisme. Le journal annonce une nouvelle revue. Patrie. Message du maréchal. Article de Giraudoux, qui parle de l'aménagement de notre pays dans le style scintillant que nous lui connaissons. Ainsi, Giraudoux, par-delà la tête du maréchal, fait sa cour à Hitler. Cela n'a rien qui surprenne. Giraudoux n'a jamais eu l'idée que les mots eussent la moindre signification. C'est le type même du pédant déguisé. Son originalité est d'employer les mots dans un sens toujours décalé. Jamais langage n'eut moins de tripes. C'est perpétuel décalage. Ces mots qui ne sont jamais le mot juste donnent aux lecteurs faibles l'illusion de ce que le journaliste appelle une scintillation. En réalité, il trébuche à chaque pas sur le sens des mots et il se fait une élégance de l'à peu près. Je n'ai jamais pu lire plus de 6 lignes de Giraudoux, pédant sémillant. Ouais, c'est là aussi, hein, faudrait que je retrouve. Oh, je ne vous montrerai pas ça, je n'irai pas faire un tour pour vérifier. Mais Chris Marker a écrit un livre sur Giraudoux. Hein? Faut voir la genèse aussi de Marker, hein? Qui a écrit aussi, dans, comme je le rappelais hier, dans la revue Esprit. Et Robert Marteau aussi a écrit dans la revue Esprit. Alors, c'est la revue Esprit des socialistes, des chrétiens de gauche, pardon. Des chrétiens de gauche, la meilleure définition qu'on peut leur donner. Mais les séquences, hein, les développements de la pensée des uns et des autres. On va y revenir. Je sens qu'il y a quelque chose là. Le 27 juillet. Marx Dormoy assassiné à Montélimar. Je ne sais rien de Marx Dormoy, sinon qu'il fut ministre au temps du Front populaire. Est-ce le commencement d'une terreur nazie? Le 2 août 1941, toujours. J'apprends la mort de Paul Nizan, tué en mai 1940 dans la Somme. Dans les premiers jours de la guerre, il envoya une lettre de démission au secrétaire du Parti communiste. Quelles pensées furent les siennes pendant ces 8 mois à la guerre? Je l'ai vu, il venait d'être reçu à l'agrégation, tout plein d'une colère sacrée. Il avait découvert dans Kant un passage où le philosophe refusait aux pauvres l'accès d'une je ne sais quelle cité nouménale ou terrestre. Il fut 1 an professeur de philosophie à Bourg. Il y avait un souffle en lui, m'a dit un de ses anciens élèves. À Paris, il poursuit toujours sur cette même page, à Paris, me dit-on, l'activité des catholiques sociaux, on s'y approche, est grande. Mais le catholicisme peut-il être chrétien? Le mouvement de ces chrétiens n'est-il pas toléré par l'Église comme soupape d'échappement? L'Église peut-elle être autre chose qu'une force de conservation? Et je songe à ce prêtre qui me disait « Les élèves des séminaires sont aujourd'hui plus curieux de politique
que d'apologétique. L'intérêt de Vichy serait de pousser à une révolte prématurée et en obtenir la répression par les troupes allemandes. Les Juifs, le 26 août 1941. Les Juifs en zone occupée n'ont plus le droit de posséder un appareil de radio. Ce n'est pas de si mauvaise politique. Les mesures répugnantes ou grotesques sont les plus satisfaisantes pour les partisans de l'obéissance pure. Plus l'autorité devient odieuse ou déraisonnable, plus l'obéissance devient un plaisir gratuit, un plaisir d'art. Demi-rêve. Le tribunal, le 24 septembre. Demi-rêve. Le tribunal populaire va délibérer. La salle est houleuse et réclame du sang. L'écrivain collaborateur qu'on juge n'a plus de chance d'échapper à la peine de mort. Il est pâle dans son box, entre des gardes civiques. Son visage blette et décomposé. Alors j'interviens avec éloquence, l'éloquence du dégoût. Ne profanez pas la majesté de la mort. Que votre générosité dépasse son ignominie, ne faites pas un cadavre de cette charogne. Il y a des rêves emportés, hein? La date. Le 13 octobre 1941. Je n'ai rien sous la main que le matière et mémoire de Bergson. Je feuillette. Je fais un effort pour donner un sens aux mots, matérialisme et spiritualisme, pour que les mots abstraits ne se lient point en moi comme les figures d'un jeu de cartes. J'y réussis quelques instants. Je collabore. Mais bientôt je perds prise. Mon attention faiblit. Je lis machinalement. Je m'aperçois que je ne comprends plus rien du tout à ce que je lis. Cela ne m'empêche pas de continuer à lire. Cela occupe les yeux, les mains et même un peu de la tête, pourvu qu'on n'ait pas une tête exigeante. Les mots glissent les uns sur les autres, filent comme poissons dans l'eau. Je lis ainsi quelques secondes. Beaucoup de gens ne lisent jamais qu'ainsi. Et c'est ainsi sans doute qu'écoutaient les belles auditrices de Bergson au Collège de France. 15 octobre. Je colle un thème sur une enveloppe. Il est à l'effigie du maréchal. Quand les journaux annoncèrent il y a quelques mois qu'on allait frapper des thèmes à l'effigie de « nous, Philippe », je me souviens que cela nous parut comique, ridicule. Nous imaginions un vieillard puéril collant sur un album des timbres à son effigie. Mais ce timbre n'est plus comique. Nous mesurons à ce timbre les étapes de la nazification de la France. Le maréchal n'était qu'un vieillard philatéliste. Maintenant, il tue et condamne aux travaux forcés. Il donne la réplique aux assassins de Bohême-Moravie et de Serbie. Il tue au service de l'Allemagne. « 5 novembre 1941. Nous attendons. Nous nous détériorons à attendre. Nous espérons vaguement en de vieilles ou neuves valeurs spirituelles, en un univers reconquis sur la bestialité, car ce n'est pas de barbarie qu'il s'agit, mais les événements nous gagnent de lenteur. Alors, je continue, il reste quelques petites annotations. Un monde nazifié. Quoi serait changé? Rien, sauf l'essentiel. L'invisible essentiel. Les ingénieurs feraient des ponts, les médecins des diagnostics, les peintres sportifs de la peinture.
Je l'ai bien vu à Lyon. Les gens qui ont un métier absorbant ne se sont pas encore aperçus qu'ils vivaient en plein nazisme. Et ceux-là et les autres, combien de fois par jour, combien de fois par an, pensent-ils à la pensée? Le 2 décembre 1941. Alors ça, c'est une dépêche de journaux. De journal. L'entrevue Goering-Pétain. Monsieur de Brinon déclare « Le déjeuner fut très cordial et les deux maréchaux très gais. » 15 décembre. J'apprends qu'une centaine de Français seront fusillés à Paris. J'apprends en même temps que Derain, Vlaminck, Segonzague et d'autres peintres, des musiciens, des écrivains, ont accepté l'invitation de Hitler au beau voyage en Allemagne. Le beau voyage. Peut-être par la portière de leur wagon agitèrent-ils leurs mouchoirs pour saluer galamment quelques Français qu'un autre train emportait vers le camp d'Auschwitz qui s'en allait mourir au camp d'Auschwitz. Quel beau documentaire il aurait pu tourner. Banquet présidé par le sculpteur Brecker. Enchaîné sonore. Heurte des coupes de champagne. Bruit des bouchons qui sautent. Tac-tac des mitrailleuses. Analogie visuelle. Un serveur aligne au plancher des bouteilles vides. Des soldats allemands alignent au sol quelques cadavres d'otages français fusillés. Auschwitz déjà, hein? 41. Eh bien, voilà. 9 février 1942. Et c'est ici que ma lecture s'achève. Je poursuis demain. Je continue à réfléchir sur les autres vidéos qui s'en viennent. Il y a des livres que je veux vous montrer. Il y a des livres que je vais vous montrer à l'écran, des livres dont je vais vous parler. Puis il y a des. Je veux introduire Chris Marker dans l'affaire. Là. On va essayer de l'introduire. Puis F. Lee et Robert Marteau. On va. C'est peut-être un peu de surréalisme aussi. Il faut trouver une manière de. Il faut trouver une manière d'organiser tout cela. Là. Saint-Simon, le 9 février 1942. Saint-Simon, je me promène avec un vieux noble. Histoire de préséance, d'alcôve et de gros sous. Pour un peu, parfois, on dirait du Proust. Moins les odeurs et l'éthique. Et encore. Alors là, je conclue avec, parce que il y a de toutes petites annotations, petites phrases comme ça qui apparaissent, de purs moments de poésie, au milieu, d'annotations, comme vous l'avez pu l'entendre, des découpures, des conversations captées à la ferme, ou au café, ou au bistrot, à la radio aussi, il écoute beaucoup, beaucoup la radio. Soleil sur la neige. Neige pimpante, neige des grands impressionnistes. La part du rêve éveillé. Tantôt je déguste dans l'intimité des vins et des amis de choix, tantôt je communie avec les foules délivrées. Les façades des fermes, par l'effet de la neige, par contraste, sont d'un jaune saturé, d'un jaune de carie, à croire que la neige se lève la nuit pour les badigeonner. Solitude des terres, silence, un seul bruit, celui que font les pattes du chien sur la neige. En ferais-je un haïku, ou une symphonie? Le péché originel est collectif, mais le salut est individuel. L'idée de salut est un commencement d'idées anarchistes. Eh bien voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie toujours d'être avec moi.
On va continuer de réfléchir, mais on va essayer de mettre en place quelque chose là. Parce que je ne pense pas que ce qu'on vit aura une fin. Je pense qu'on est rentré dans un temps de longueur, de langueur, de. Je pense que c'est le retour de la réalité, d'une certaine manière. Quelque chose de cet ordre-là, le principe de réalité, tout à coup, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Et faut maintenir nos esprits, faut continuer quand même à réfléchir, à méditer, à créer des formes nouvelles, peut-être, à dégager des horizons, à dégager des possibilités de faire advenir quelque chose d'autre. On ne pourra plus se divertir sans fin, comme on le fait déjà depuis plusieurs décennies. Le divertissement, le divertissement. Je crois même que vous êtes nombreux à faire une surdose de divertissement. Je pense. Je pense. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain, semble-t-il, cette longue séquence ne semble pas prête à s'arrêter, si j'en juge les livres que je me propose de relire ou de lire, les livres que je dépose là, sur le coin de la table, les liens que je fais, leur envie d'aller chercher le Giroudoux là, de Chris Marker, retrouver dans mes affaires Le Cœur sec, un roman qu'il a publié en 49, si je ne m'abuse. J'aurais envie de voir toutes les généalogies, les revoir les généalogies, voir les mouvements des idées, comment le politique s'introduit dans une pensée, comment le politique aussi peut corrompre une pensée, l'éroder, l'empêcher de s'épanouir, l'empêcher de prendre de l'expansion. Et comment aussi le refus du politique aussi peut tétaniser, peut affaiblir, peut rendre acariâtre, aigre, amer. Il faut doser tout ça, hein? Ça nous prend une posologie très fine, une posologie très fine des affects, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas juste de garder raison, il s'agit que la raison puisse à nouveau s'épanouir, puisse donner du fruit à nouveau, encore. Hein? Qu'appelle-t-on pensée? Voilà. Merci et bonne soirée à tous.